Coucou! Coucou! Manonette va nous lire une histoire. Alors, installe-toi et amuse-toi bien! Grand loup et petit loup. C'est un livre de Nadine Bruncosme et Olivier Talec. Depuis toujours, Grand loup vivait là, seul sous son arbre, en haut de la colline. Puis un jour, vint petit loup. Il arriva de loin, de si loin, que Grand-loup ne vit d'abord qu'un point. Petit-loup approchait. Grand-loup eut peur soudain qu'il soit plus grand que lui. Petit-loup commença à gravir la colline. Et Grand-loup vit qu'il était petit. Ça le rassura. Il le laissa grimper jusqu'à son arbre. Petit-loup resta toute la journée sous le grand arbre de la colline. Maintenant, sous l'arbre, ils étaient deux. Grand-loup et Petit-loup. Ils ne se parlaient pas. Ils se regardaient un peu du coin de l'œil, comme ça, sans méchanceté. Vint la nuit. Petit-loup restait là. Grand-loup trouva que quand même, il exagérait bien un peu. Quand Grand-loup se coucha, Petit-loup se coucha aussi. Alors, Grand-loup vit que Petit-loup tremblait un peu du bout du nez, et il tira vers Petit-loup un petit bout de son drap de feuille. C'est bien assez, pensa-t-il, pour ainsi Petit-loup. Le matin, Petit-loup était encore là. Comme chaque matin, Grand Loup grimpa aux branches pour faire ses exercices. Petit Loup grimpa aussi. Grand Loup le regardait. Il eut peur soudain que Petit Loup grimpe mieux que lui. Mais Petit Loup dut s'y prendre à deux fois. La première fois, il tomba sur les fesses. Il cria Aïe oui! Puis il recommença. Il est courageux, ce petit loup. Pensa alors Grand-loup. Et il le laissa grimper aussi haut que lui et faire des exercices. Avant de redescendre, Grand-loup cueillit des fruits pour déjeuner. Il en prit un peu plus que les autres jours. Puis il prépara son repas. Petit loup descendit derrière lui. Il n'avait rien cueilli. Grand loup mangea. Il poussa une assiette avec quelques fruits vers Petit Loup. Et Petit Loup mangea. Après manger, Grand Loup s'en alla faire sa promenade. Il descendit la colline, puis il se retourna. Petit Loup était resté sous l'arbre. Grand Loup sourit. Petit Loup était vraiment petit. Il traversa le grand champ de blé en bas de la colline, puis il se retourna. Petit loup était toujours sous l'arbre. Grand-loup sourit. Petit loup était encore plus petit. Il atteignit l'oreille du bois, et une dernière fois, il se retourna. Petit loup était toujours sous l'arbre, et il était si petit, à présent qu'il fallait vraiment être un grand loup pour savoir qu'il était là, ce tout petit loup. Une dernière fois, Grand-loup sourit. Puis il entra dans le bois pour continuer sa promenade. Le soir, quand Grand Loup sortit du bois, sous l'arbre, il ne vit rien. Bien sûr, je suis trop loin, se dit-il. Il sourit. Il atteignit le bas de la colline après avoir traversé tout le grand champ de blé. Et sous l'arbre, il ne voyait toujours rien. C'est bizarre, se dit-il. Le petit loup n'était quand même pas si petit. Pour la première fois, il se sentit inquiet. Il remonta à la colline bien plus vite que les autres soirs. Sous l'arbre, il n'y avait personne. Ni grand ni petit. C'était comme avant. Sauf qu'à présent, Grand-loup était triste. Pour la première fois, ce soir-là, Grand-loup ne mangea pas. Pour la première fois, cette nuit-là, Grand-loup ne dormit pas. Il attendait. Pour la première fois, il se disait qu'un petit, même tout petit, ça prenait de la place dans le cœur. Beaucoup, beaucoup de place. Le matin, comme chaque matin, Grand-loup grimpa sur l'arbre. Mais pour la première fois... Il ne fit pas ses exercices. Il regardait au loin. Grand-loup regarda longtemps. Au loin, il n'y avait toujours rien. Il se dit qu'il était capable d'attendre encore plus longtemps. Plus longtemps qu'il n'aurait jamais cru. Puis, à force d'attendre, il se mit à penser à de drôles de choses. Il se dit que si le petit loup revenait, promis, il lui laisserait un bout de drap de feuille un peu plus grand, et même beaucoup plus grand, et une assiette plus pleine, et même que peut-être il le laisserait monter plus haut que lui, et faire tous ses exercices, même ceux qu'il était le seul à connaître. Il se dit tout cela, et bien d'autres choses encore, et il continua à attendre. Et puis là-bas, il y eut un petit point, mais un point si petit qu'il fallait être lui, Grand-loup, et avoir attendu autant pour penser que, là-bas, quelque chose approchait. Son cœur battait de joie. C'était la première fois. Là-bas, le petit point grandissait. Pourvu que ce soit lui, ce petit, se disait Grand-loup. Et aussi même s'il est bien plus grand que moi, tant pis. Il n'était pas plus grand, il était toujours aussi petit, c'était bien le petit. Petit-loup gravit la colline, puis il s'assit sous l'arbre. Où étais-tu dit Grand-loup. Là-bas, dit Petit-loup, sans rien montrer. Sans toi dit Grand-loup d'une très petite voix, ⁇ Je m'ennuie ⁇ Alors, Petit Loup s'approcha de Grand-loup. Il dit ⁇ Moi aussi je m'ennuie ⁇ et il posa sa tête doucement sur l'épaule de Grand-loup. Grand-loup se sentit bien. Toujours, à présent. Il y aurait le petit. Le bruit s'est enfui. Et le livre est fini. Au revoir les petits amis.